Bonjour à tous mes amis, aujourd'hui j'ai une communication à vous fournir. En effet, j'ai décidé d'ouvrir une FAQ sur le thème de la magie. Alors, n'hésitez pas à me poser toutes les questions dans les commentaires en bas et dans une prochaine vidéo, j'y répondrai. C'est très simple. Maintenant, place à la magie sur le thème de l'huile et l'eau. C'est parti. L'huile et l'eau, un classique de la magie. J'ai trouvé dernièrement une version de Stéphane Chenevière qui s'intitule Altitude. C'est parti. Je vais prendre des cartes noires qui vont représenter les gouttes d'eau et des cartes rouges, des gouttes d'huile. Très bien. Je vous les remonte une dernière fois. L'huile et l'eau. C'est parti. Je vais mettre de côté les gouttes d'huile et je vais garder les gouttes d'eau. Et je vais insérer les gouttes d'huile avec l'eau. Comme ceci. Et j'y vais très lentement. Voilà, c'est très important. Comme ceci. Je referme le tout. Je laisse un tout petit peu agir. Et au bout d'un instant, les lois de la physique, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent que l'eau ne se mélange pas avec l'huile, comme vous pouvez le constater. On recommence. Mais cette fois-ci, je vous propose de le faire avec une carte de moins. Une goutte d'huile et une goutte d'eau. Ça sera beaucoup plus simple. C'est parti. Une goutte d'huile, une goutte d'eau. Une goutte d'huile, une goutte d'eau. Une goutte d'huile, une goutte d'eau. Très simple. Nous laissons un peu agir. Et au bout d'un instant, comme vous le savez déjà, les lois de la physique répondent. Car l'eau ne se mélange pas à l'huile. Mais donnons à l'illusion, grâce à la magie, que c'est possible. Simplement en mettant l'eau sur l'huile, mais en rajoutant une petite chose, en mixant, pour que les particules se mélangent bien entre elles. Laissons un peu agir. Et au bout d'un instant, si nous retournons, nous avons quoi? Nous avons l'huile et l'eau. Miracle. Mais n'oubliez pas, ce n'est que fiction. Qu'illusion. Pour séparer les particules d'huile et de l'eau, il suffit simplement de désengrener tout le système. Voilà. Comme ceci. Maintenant, nous allons simplifier encore les choses. Je vais simplement en retirer une. Il va me rester ici l'eau. Ici, j'en retire une. Pas de souci. Et nous remélangeons. L'huile, l'eau, l'huile, l'eau. Tranquillement, nous laissons un peu agir. Et au bout d'un instant, nous avons quoi? Eh bien, nous n'avons plus que de l'eau. Car l'huile s'est vraiment évaporée. Bien étrange cette physique, vous ne trouvez pas? À bientôt mes amis. Allez, au revoir. Lightning strikes by my window. It's my chest right.